Si est-il l'un des symboles les plus glamour de la grosse pomme, la prestigieuse boutique Tiffany a finalement réouvert ses portes après plusieurs mois de travaux. Si est-il l'un des joyaux de New York, un passage obligé pour tous les touristes et les amateurs de cinéma depuis son apparition dans Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany en anglais, le film culte de Blake Edwards avec Audrey Hepburn. Après de longues années de travaux, la boutique du joaillier Tiffany sur la très huppée 5e avenue de New York vient donc d'ouvrir à nouveau ses portes. Pour l'occasion, CEST a un véritable défilé de stars qu'ont pu assister les badauds et les photographes réunis ce jeudi soir. Tiffany, une marque de luxe relancée par LVMH rachetée en 2021 par le groupe français LVMH, la maison américaine espère désormais poursuivre sa renaissance. Un temps jugée vieillissante, la marque aux 14 000 salariés tente désormais de se donner une image plus jeune mais aussi plus urbaine. Pour l'occasion, le groupe s'est offert deux superstars de la chanson, Beyoncé et Jay-Z, qui portent la campagne « Si est pas le Tiffany de ta mère », ainsi qu'un partenariat avec le géant US du sportswear, Nike. Néanmoins, la marque reste une des valeurs sûres du luxe, et cherche désormais à être plus visible, avec le T du logo historique de Tiffany présent sur certaines collections. Un nouveau magasin qui fait venir toutes les stars de la planète pour entrer dans cette nouvelle ère, Tiffany a donc vu les choses en grand pour son nouveau flagship. 10 étages, des espaces exposant les collections, mais aussi un café tenu par le chef Daniel Boulu, que l'on a déjà vu dans la version française de MasterChef, sont ainsi désormais ouverts. Un étage entièrement dédié au VIP a aussi été repensé. Car pour ce magasin, qui pèse pour 10% des ventes de Tiffany, rien n'est trop beau, et comme on a pu le constater pour la soirée d'inauguration, les stars étaient évidemment au rendez-vous avec notamment Brooklyn Beckham, accompagnée de son épouse Nicola Peltz, la chanteuse Katy Perry, les acteurs Michael Bay, Jordan et Dylan Sprouse, les actrices Gal Gadot, et Blake Lively, qui a récemment accouché de son 4e enfant. Un parterre de stars que nous vous proposons de découvrir dans notre diaporama. À lire aussi Diamant sur canapé, Arte, quelle star mondiale aurait dû jouer le rôle principal à la place d'Audrey Hepburn ?